Bonjour tout le monde, ici Doascan, c'est aujourd'hui nous retournons sur Minecraft et je suis avec Brakam. Nous allons faire donc cette. Continuer cette map aventure, donc RevReady Uprising sur Minecraft en 1.8.1. On était rendu là, on a fini ça, cette cochonnerie de merde qui nous a pris fucking tout le temps à péter, puisque la petite piste c'était tout buggé. Puis voilà. Juste par rapport aux abonnés de Alex et tout ça, en fait. J'ai perdu les vidéos, les premières vidéos. Donc du coup, l'aventure se continue sur la chaîne de Doualex, c'est pas la mienne. Et vous pouvez voir que j'ai revêtu mon beau skin d'astronaute pour Apollo Cube qui va bientôt arriver. Vous inquiétez pas, on a juste des petits soucis pour se retrouver parce qu'on est trois, mais ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, on a un petit peu de soucis, donc on a prévu le scénario, vous en faites pas. Vous pouvez déjà aller voir le premier épisode qui est sur ma chaîne. Et pour le deuxième épisode, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, puis ça va être vraiment génial. Et puis ensuite, moi j'expliquerai moi, parce que, enfin moi-même, ce qui sait, pourquoi en fait j'étais pas dans le premier épisode. Et puis, je pense que vous comprendrez. Bon, Alex, où est-ce qu'on doit aller là? Bah là, je crois qu'il faut aller au centre, je sais pas en fait. Hey you! Miguel. We have stuff to trade. C'est-à-dire qu'il veut échanger du stuff avec nous. Come see me at the back of the room. I have something to say when you're done your shopping. Donc il dit viens à l'arrière de la salle. J'ai quelque chose à te dire. Une fois que tu as terminé de magasiner. Et là tout est en train d'exploser. Wow, le gars. Ok, mais je tentais de voler marchandises du gars en fait. What the fuck? J'ai une splash potion of healing. Lui, c'est quoi qui me va en fait? What the fuck? Qu'est-ce que j'y fais? Moi? Oh, un coffre! Même toi, tu peux voler les gens. Moi, j'ai déjà volé le gars. C'est ça, ouais. Bon, là, il y a encore des. Aïe! Regarde, il y a encore des trucs. Hop. Ah! Je suis enflammé, non? Qu'est-ce que? Oh, hey, j'ai du poisson. Du poisson. Yes, mushroom soup. Ah mais ici je crois que c'est un marchand de bouffe, General Store. Ouais, de la bouffe. Fait qu'on puisse acheter de la bouffe. Oh my god. C'est tout à nouveau, mec. Oh what the fuck. En plus j'ai fucking eu peur, mais ils sont dégueu. Oh what the fuck. J'ai pas de la vie. Je suis genre empoisonné, je sais pas toi. Oh, je suis dead. Je vais mourir, baby. Oh, il y a une araignée invisible. Je l'ai eu. Il y avait une araignée invisible, mon gars. Je l'ai eu. On voyait juste ses yeux. Je sais où est-ce que je suis, mec. Il me reste un niquant. What? Aïe. Aïe. Parce que je sais que tu vas respawn trop loin, fait que c'est pour ça que je te TP. Ouais, mais moi je sais pas, en fait j'ai l'impression de respawn sur le toit. Ouais, attends. Regarde où je suis! Brakam! T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Okay, je cherche. Regarde-moi, je suis dans les flammes. Je te cherche. Je sais pas où aller, moi. Ben c'est par là, hein, c'est, je pense. Hein. Ouais, par là, c'est bon. J'ai la route, hein. Aïe, aïe. C'était pas prévu, ça. Ouch. Ah. Qu'est-ce que le serpent, il a mangé un bateau. What the fuck. Oh, mec, mon gars, j'ai de ses baisers fesses. Ah, je t'en fais. Dès qu'il y a un petit peu de lave, fuis-moi ces fesses de FPS, assurez-moi. Ah ouais? Ah ouais. C'est bon, je suis traversé. Oh putain, merde. RIP. C'est bon. RIP. Putain. C'est pas possible. Oh, ça lag trop, mec, on peut pas jouer, c'est pas possible. Ouais, je sais. Wouah! Parce qu'il y a trop de zombies! Oh, il a abusé! Server closed. Ah, ok, t'as fermé le serveur, toi, t'es comme ça. Check, guess, j'essaie de le join. Ça fait. Refuse. No, il dit qu'il peut pas entrer plus d'infos.
Bon bah rip la série alors hein. Non, attends, attends. Je reviens tout le monde, je vais désactiver les mobs. Puis on va finir, on va changer de salle puis je vais les réactiver. Bonjour tout le monde, ici DoaSquad7 et je suis avec Brakam. Donc salut, ça va quoi? Ouais, ça va, puis toi? Ouais, enfin ça va beauf moyen après tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui les amis. Ouais. Aujourd'hui on vous propose un petit une vidéo Hunger Games, mais on est dans le hub du Pétiote parce qu'on en a rien à foutre. Mais voilà, parce qu'on a trouvé ça. Mais du coup aujourd'hui je vous propose une petite vidéo Hunger Games qui n'était pas vraiment au programme, le troisième épisode. Mais bon, on avec tout ce qui s'est passé cet après-midi d'où Alex, on avait envie de se détendre un petit peu et jouer à Hunger Games. Bah c'est ce matin en fait. Enfin ce matin pour toi, mais ouais c'est ça. ouais c'est ça. Fait qu'en gros je vous explique. Non j'explique juste moi de toute façon là ce qui va parler ne serait jamais arrivé sur ma chaîne parce qu'en fait j'ai perdu la vidéo tout simplement. Et vas-y je vais s'expliquer. Ok, donc en fait il y avait une série Reverie The Uprising qui était une super belle map que je conseille plus parce que tout simplement le gars qui crée la map il a collé un fucking milliard de PNJ qui ont spawné tout au même endroit, fait que ben tout simplement ça a fait crash le serve et tout, ça a surchauffé puis bon il marche plus. Ouais. Puis on peut plus continuer la série, donc on va l'arrêter. Puis c'est ça, fait que. C'est ça, et puis aussi à la base, on devait tourner sur projet Apollo Cube. Hein. J'ai vu que le trailer avait plu à beaucoup de monde sur ma chaîne. J'ai sur la chaîne de Alex aussi, quand on a regardé, quand j'ai vu tous les commentaires positifs que vous m'avez donné, j'étais vraiment très content. Ah ouais, t'as eu des commentaires? Ouais, bah oui. Bah, ah ouais, je sais pas, moi j'ai eu un commentaire, puis c'est toi. Et j'aime plus. Et donc, du coup, ouais, voilà. Donc aujourd'hui. Vidéo Hunger Games tranquillement pour se détendre, n'est-ce pas? Ouais, à la suite de cette vidéo là, sur Reverie The Uprising épisode 3, donc ça fait partie de l'épisode 3. Vous allez pouvoir quand même regarder ce qui s'est passé dans l'épisode 3, les lags et tout ce qui s'est passé et la galère qu'on a eu, mais bon, en tout cas, on va aller casser l'Hunger Game. Donc, Hunger Game, je maintenant. Attends, bah, du coup, ouais, c'est toi, je suis dans ta partie. Attends, faut que tu crées une partie, fais partie. Ah oh, putain, j'ai pas fait. Juste les amis, donc là maintenant j'ai. C'est pas une nouvelle connexion, mais j'ai un truc qui va avec ma connexion. En gros, ma connexion c'est comme si elle avait été boostée. C'est toujours pas les mêmes qu'au Québec, hein, on est d'accord, mais c'est pas grave. Donc du coup maintenant je peux faire des lives les amis, donc je vous invite à regarder ma chaîne Twitch, il y aura dans la description. À partir de maintenant je peux faire des lives, et c'est très bien, voilà c'est bon j'ai accepté la partie. Donc du coup je vous annoncerai très prochainement mon premier live sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et d'où Alex il faudrait... Pourquoi t'as rejoint une fille pour Domination? Je vais se tromper. Oh là là. Ok c'est bon, t'as Hunger Games, c'est bon, je vais chercher. Non Hunger Games c'est nickel, ouais. Bon, on fait une petite alliance, ouais. Et donc du coup ouais, pour un premier live, donc je vais voir. Doualex a un site mais il veut pas créer de Web TV sur son site. Ouais je vais créer une Web TV, ça me dérange pas. Ah nice, nickel. Donc, oh non, j'avais pas dit non tantôt, si je savais pas c'était quoi. J'étais comme, dis-moi c'est quoi. Je pense que mon premier live sera sur Twitch et puis peut-être le second sur la... Y'avait-tu des kits à choisir ou... Doualex? Non. Et où es-tu? Je ne te vois pas, mon petit ami. Je te vois pas non plus. Toi, t'es un astronaute. Je te vois pas, il y a trop de particules. Ok, t'es devant moi, c'est bon, salut. Ouais, moi, je vois pas où t'es. Je te vois pas. Ok, c'est bon, moi, je suis à côté de toi, Okay, ici, viens, ici. Donc là, on est sur la map. T'es allé où? C'est con. Quoi? T'es allé où, merde? Moi, je me suis caché. Bon, écoute, chacun pour soi, on essaie de se retrouver, ok? Ok bah regarde, moi j'ai une arme, j'ai des flèches, j'ai buté l'XP. Et je sens bien que je vais très mourir bientôt. Ouh, y'a quelqu'un, je me casse. Pour info, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de HG, fait que... Ouais, moi aussi, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas retouché à Minecraft. Hein. Okay. Fait que Apollo Cube, ça va être une grande série. Ouais, juste pour vous annoncer Apollo Cube, donc je vous mettrai, pour mes abonnés hein, qui sont pas encore abonnés à la chaîne de Prolex, je vous mettrai le lien. C'est bon, j'ai eu un gars. Ouais, regardez, c'est bon, j'ai fait kill. Non, s'il te plaît, mais tu vas. Non, marque pas. Bon, ouais, je suis mort, je vais faire l'ange gardien de Doualex, les amis. Ok, c'est bon, bah, c'est moi. Je mettrai le. Alors, attendez, il faut que je retrouve Doualex là. Voilà, donc je mettrai le lien de la. Comment dire ça? De la première vidéo de Doualex sur la série. Vous verrez en fait ils ont fait Electriot. C'est pour ça normalement on aurait dû tourner pareil sur Apollo Cube, mais Electriot n'était pas là cet après-midi. Moi j'étais pas là lors du premier épisode, c'était un petit peu compliqué, mais là ça y est, on va être... Oh putain, je fais ton avis. Ouais, fais attention hein. On va être parti, je pense d'ici la semaine prochaine vous aurez les premiers épisodes d'Apollo Cube.
Bah le deuxième. Parce que je pense que... Bah le premier ouais. Sur la chaîne de Bracam. So, bah, mais en fait tu peux... Et... Oh, j'ai choqué. Et donc, ouais fais gaffe, regarde j'ai plein de coffres ici d'Olex. Donc du coup ils ont commencé à faire une maison, une petite mine, voilà ils ont quand même... Ouais faut le dire vous avez quand même bien abusé. Commencé je trouve. On a abusé. Ouais enfin vous avez bien... Ouais vous avez abusé quand même les gars, franchement vous aurez pu attendre un petit peu en faire ça. Mais en gros voilà ils sont déjà bien établis donc moi je vais arriver tranquille quand... Oh j'ai bah tu sais, c'était le début disons pas très intéressant de... De toute survie. Fait que je me suis dit on va faire ça. Après ça ben deuxième épisode je vous laisse deviner un peu ce qui va arriver. Ça va être génial. Ouais. Ouais enfin ça va être génial mais c'est déjà un peu abusé pour un premier épisode. Mais faut savoir que il a coupé des parties mais à la base ils ont tourné sur 2 ou 3 jours dans Minecraft en fait. Donc ils ont bien plus pu avancer. Dwalex, je regarde un petit peu aux alentours, tu es tranquille. Quoi? Tu es tranquille. Je regarde aux alentours, hein, tu es tranquille, t'inquiète pas, y'a que je sais que je suis tranquille. Y a-t-il d'autres coffres proche de moi? Team 2. Grosse rage, j'ai envie de dire. Alors, y'a un coffre. Non, pas du tout, y'a pas de coffre. Il faudrait que tu ailles sur l'autre rive, Ex. Et que tu montes par les échelles pour avoir des. Ouais, c'est ça, je m'en vais, enfin, je monte. Je regarde, le seul gars il est à 132 mètres, puis c'est loin, il fait que ça va. 141, 146, 152, 158. Moi je suis safe. Ah, il y a un autre gars. Il se rapproche. Il y a un gars qui se rapproche de moi. Ouais, je regarde ça. Par rapport à Bluecube, donc lui, une petite série à objectifs bien sympa. Par contre, ça va être très 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 long. Oh, il s'approche beaucoup, le con. Attends, je me sneak, je me cache. Qu'est-ce que je fais? Je vois pas où est-ce qu'il est. Mais ouais, donc du coup, ça va être une grosse série. On voit, je pense, une cinquantaine d'épisodes au moins. J'ai envie de dire. Parce que les objectifs sont assez corsaires. Merde, il y a à côté là. Il y a 110 mètres. Il y a pas beaucoup d'objectifs, mais ils sont quand même corsaires les objectifs. Vous attendez pas. Oh, ouais, c'est pas de la merde. Vous allez voir, ça va être cool. Ok, c'est bon, c'est loin. Parce que je veux vraiment me looter, hein. Ce savoir-là, au niveau des Hunger Games, je sais qu'il est vraiment injuste. Fait que fais regarde, il y a comme juste devant toi. Tu l'as vu. Ok, bah, gars, je bouge. Bah, mais moi, je suis vraiment mort comme une merde. J'ai très mal commencé la partie, donc voilà. Désolé, vous allez pas voir de beau gameplay chez moi. Mais c'est pas grave. Vous allez voir un pro jouer. Je peux parler. Regarde sur la rive opposée, regarde t'as un coffre mais bon c'est super dangereux de sauter donc continue par là. Et je regarde sur la route, c'est pour ça quelqu'un. Ah ça va, je peux sauter en bas. Regarde, c'est fait pour sauter ici non. Allez. Je mettrai la chaîne de Lec dans la description, la première vidéo d'Apollo Cube ainsi que son site hein, où il va faire un bon petit. Oh putain il est à côté. Je le vois sans nom. Non, y'a personne. Je vois son putain de nom. Est-ce que... Attends, je vais regarder qu'est-ce qu'il fait. Je vais regarder son stuff aussi. Ah ouais. Ah non, mais c'est un fantôme qui te suit. C'est un fantôme de Lex qui te suit. Y'a personne. Y'a plein non, de... Non, y'a un gars, y'a un gars. Ah ouais, je te vois. Attends, je vais dire comment est-ce qu'il est. Alors, au niveau du stuff, y'a un gars, il a un haut en maille, un bas en or, des choses en fer et une épée en pierre. T'as rien là quand même. Et qui est comme moi rien, tu peux le... Mais gars, j'ai 28 flèches, je peux le buter. Il vient pas vers toi, Dwalex, hein. C'est bon, c'est tranquille. C'est quoi cette fumée là? Je sais pas, mais. T'en rapproches pas trop, je crois que c'est ce qui donne la nausée. Dans le premier épisode avec Daxter, j'ai eu la nausée. Non, c'est. Aïe. Ok. Alors, le gars ne vient pas, donc c'est tranquille, tu peux y aller tranquille. Hein, là, c'est moi qui se rapproche de lui. Je crois que la map sera petite, ça se peut-tu. Ouais, mais en fait, là, ils veulent nous ravouter. Fuck my life, man. Oh putain, je peux pas aller là. Tabarnak. Hey, si je meurs de ça, c'est fucking gay, man. Putain. T'inquiète. Putain. Putain. Faut que t'ailles au centre, Dwalex. Y'a pas d'autre solution. Mais t'es sérieux? Tabarnak de jeu de fif. Ouais,
Calice! C'est quoi ce smarde là, man? Ça a pas été une très très belle partie, hein, j'ai envie de dire, j'ai même envie de... Putain, j'allais gagner, esti! Donc voilà, les petites news, c'était plutôt une vidéo information pour vous informer des petites... Calice, c'est de la merde! Ça me fait chier, esti! Go, j'allais gagner, je jouais fucking bien, man! Pourquoi lui meurt pas, esti de fif, man? Il est même pas au centre, calice! Hey, toi, là, ça fait chier, meurs, calice de fif! Tabarnak, man! Une vidéo détente de rage, esti. Tu vas tuer Dolex. Viens, Dolex, où est-ce que tu es? Viens. Je suis au centre. T'es au centre où il y a l'œuf? Je suis au centre, genre là où il y a la merde, là. Le livre, esti de calice. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si c'est rien de spécial qui s'est passé. Petite vidéo d'information. Donc, à retenir, Apollo Cube qui arrive bientôt, The Rev Uprising qui est fini, et les lives sur la web TV de Doualex. Sur ce, je vous laisse, et j'espère que, ça, que vous avez aimé. Allez, bye bye. Et moi aussi, je vous laisse, donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, et bonne journée. Laissez un like, allez voir Apollo Cube, surtout. Ciao, ciao.